Autrefois, chaque pays de l'Union européenne avait sa propre monnaie. Aujourd'hui, 19 pays de l'Union ont la même monnaie, l'euro. 338 millions d'Européens sont plus forts ensemble avec l'euro. Mais qui s'occupe de l'euro? La Banque centrale européenne et les banques centrales des pays de la zone euro. Elles émettent les billets en euros. La Banque centrale européenne est située à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Chaque pays a sa propre banque centrale nationale qui se trouve habituellement dans la capitale. Tous les billets montrent des fenêtres ou des portails au recto et des ponts au verso. Certains sont anciens, d'autres plus récents. Comme les billets ont de la valeur, des criminels essaient de les contrefaire. Mais c'est facile de vérifier l'authenticité d'un billet en euros. Trois gestes suffisent. Toucher. Regarder. Et incliner. Il n'est donc pas difficile de vérifier les billets. Examinons maintenant les pièces. Elles comportent une face européenne qui montre une carte de l'Europe. Et elles ont une face nationale, montrant un personnage célèbre, un monument ou un symbole. Maintenant, vous en savez assez pour jouer au Rallye Euro. Plus vous donnez de bonnes réponses sur l'euro, plus vous obtenez de points. Jouez en ligne en vous connectant à nouveau-billet-euro.eu. L'euro, notre monnaie.